Pourquoi dit-on « ventre » dans les expressions françaises ? Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre à plat ventre pour écouter cet épisode, c'est vous qui décidez. Quand je dis « à plat ventre », je pense à la position au sens propre. Mais au sens figuré, se mettre à plat ventre devant quelqu'un veut aussi dire se soumettre, voire s'humilier. Une expression qui date du XVIIIe siècle et qui se réfère à la position de soumission de celui qui est ventre à terre. On dit d'ailleurs aussi « courir ventre à terre » quand on court très vite. Quand quelqu'un manque de ressources tant morales que physiques, on dit qu'il n'a rien dans le ventre. Une expression qui découle du vieux français où l'on disait notamment de celui qui avait des projets qu'il avait quelque chose dans le ventre. Et dès le XVe siècle, on s'interrogeait de savoir ce que quelqu'un a au ventre, autrement dit, qu'est-ce qu'il vaut et quelle est son ambition. Tout à chacun peut un jour avoir la peur au ventre ou la boule au ventre. Deux expressions, une même origine. L'estomac qui peut se nouer si l'on est angoissé. La boule au ventre, on peut l'avoir avant un événement important et garder cette peur au ventre pendant cet événement. Dans l'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre », il est toujours question d'estomac, comparé ici aux yeux. On s'imagine pouvoir ingurgiter plus que ce que notre estomac peut contenir. Au XVe siècle, Montaigne écrivait « avoir plus grands yeux que la panse ». Notez qu'au sens figuré, « avoir les yeux plus grands que le ventre » veut dire « se surestimer ». On dit aussi « ventre affamé n'a pas ou point d'oreille ». Pardon ? Une expression très ancienne qui vient du latin, qu'on pourrait traduire par « il est difficile de discuter avec le ventre car il n'a pas d'oreille ». Autrement dit, celui qui a faim ne peut pas réfléchir ou n'écoute pas, et celui qui est affamé peut prendre tous les risques pour se nourrir sans écouter les voix de la raison. L'expression « avoir du cœur au ventre » est aussi une expression très ancienne et veut dire « avoir du courage ». Car pendant longtemps, le ventre était synonyme de torse. Ce ventre que les danseuses orientales ondulent quand elles s'adonnent à une « danse du ventre », déjà pratiquée en Égypte ancienne, où les prêtresses ondulaient ainsi pour s'attirer les grâces de la déesse de l'amour et de la fécondité. Depuis le XVe siècle, pour désigner le point faible de quelqu'un, on parle de « ventre mou ». En langage familier, le ventre désignait à l'époque le courage. Plus son ventre était ferme, plus on était courageux. Celui qui avait le ventre mou l'était de facto beaucoup moins. Notez qu'en termes de classement sportif, le ventre mou désigne une position très moyenne, ni bonne, ni complètement mauvaise. Une équipe dont le ventre mou ne suscite que mollement l'intérêt. Voilà, j'espère que cet épisode ne fera pas un bide. À bientôt.